Salut à toutes et à tous, c'est Vanda de la Team Zankyo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon Platine. Je ne sais plus parler. Qu'est-ce qu'on avait fait lors de la dernière vidéo? Je ne sais plus. Ah si, on avait gagné notre. Quatrième badge, oui. Donc ce qui fait qu'on est, bah, selon le nombre de badges, à la moitié de l'aventure. Et oui, ça qui est bien, ça fait un petit moment que j'ai pas retouché au jeu, mais bon, il est temps d'y aller. Alors je sais plus qu'est-ce que je devais faire, que j'ai gagné. Mais là, on est dans une ville genre où il y a un peu la Team Galaxy. On va peut-être aller les embêter un petit peu. Ah, donc à mon avis, si j'ai battu les champions d'arène, faut que j'aille au hangar. Peut-être. Je sais plus, on va voir. Et bonjour. Bienvenue, c'est qui de la Team Ga. Pardon, c'est le bâtiment Galaxy de Voilà Rock. L'énergie cosmique, c'est trop mythique. Ça ne serait pas formidable si on maîtrisait cette énergie inépuisable? Nous, la Team Galaxy, nous prendrons tout sans rien donner. Nous éliminerons tout ce qui ne nous est pas utile. C'est notre politique galactique. D'accord. Pas quelqu'un qui a la clé spéciale. La Team Galaxy mène des recherches jour et nuit dans ce bâtiment. Nous travaillons au développement de nouvelles sources d'énergie, d'accord. Mais quelqu'un a pas la clé? J'ai toujours aimé cette expression quand t'as pris de la bouteille. Bah c'est peut-être pas pour tout de suite au final, ou alors ça c'est le bâtiment mais faut que je me rende en gare. Il me semble que j'avais pas sonné les Pokémon qui avaient. Ouais, ils avaient vaillamment combattu contre je sais plus comment que c'était son nom. Ah la musique que j'aime bien, parce qu'on filme encore une fois en journée, et oui. La dernière fois j'avais filmé à 18h15 là, est-ce que je peux changer pour que ça fasse? Oh, non ça fasse pas, ça ne passe pas. Point, point, point. Vous avez vu quand même mon film à 13h28, hein. C'est pas déconnant. Allez, je remets le compteur de pas. Mais voilà, ouais, ça c'est. Je jamais assez. Jamais assez. Mais la musique du centre Pokémon, quand il fait une nuit, c'est la dépression, quoi. C'est vraiment ça. Ah, bah tiens, voilà. Salut Vandal, tu veux bien m'aider? Tu te souviens des immondes scélérats de la Team Galaxy? Ceux qui ont essayé de voler les travaux du professeur Sorbier à Félicité? Je suis tombé sur eux tout à l'heure et ils m'ont volé mon Pokédex. Aide-moi à le récupérer, s'il te plaît. Faisons équipe pour leur mettre une raclée. Allez. Ouais, tes Pokémon faisant équipe avec moi et mes Pokémon. Si nous unissons en force, notre équipe d'œuvre ne peut pas perdre. Je laisserai pas ces filous s'en tirer à si bon compte. Ah ouais, genre comme ça. Ah ouais, bah. Ta 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 ta. Des sbires gymnastes. Chenipon. Y a un peu quand même une grosse différence. Je dis ça, voilà quoi. Wouah. Bon bah chenipan, désolé tu vas prendre cher hein. Allez, pouf! Gicle! Mais bon il va rien rapporter en termes d'XP. Je viens de. Oui je viens de tilter que c'était X-Print ou Volti comme je l'aime bien. Oh sur moi! En fait, il est là pour faire les paralysies, hein, c'est ça? Ah, dis donc, moi qui pensais que j'étais un peu en retard en termes de leveling, bah, j'ai l'impression qu'elle est encore plus en retard que moi, hein, donc c'est pour dire. Hein. McCurl! Ah, je pensais que c'était.
une attaque de type One Hit KO, mais ce n'est pas le cas, heureusement. Ninja avec son petit PV. Enfin, peut-être qu'il avait pas qu'un seul PV, je sais plus. Mais arrêtez de me focus moi, quoi, merde. Moi, je suis gentil, hein, d'abord. Bah, pour la peine, je vais faire une griffure type dragon. Et en plus, je vais être paralysé. Ah, bah, t'es même mis KO. Bah, bon, alors là, franchement, j'applaudis. Bravo, félicitations. Hein, Aurore a été utile. Bien. Ah oui. Les gens réduits, etc. Ah, c'est nul. Nos Pokémon sont des mauviettes. On devrait en prendre de nouveau au quartier général. De toute façon, on s'en fiche bien des Pokédex. La Team Galaxy aura bientôt toutes les tous les Pokémon du monde à sa botte. Tous les Pokémon de l'hiver, même. Tiens, prends ton Pokédex. Les objets entreposés dans le hangar ont déjà été acheminés à Verchamp, de toute façon. Comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Les sbires vous saluent. Ah, c'est ça, les cassez-vous. Que se passe-t-il? Pourquoi les membres de la Team Galaxy se comportent comme si c'était les maîtres ici? Merci de tout cœur, Vandal. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans mon Pokédex. Il m'est indispensable pour assister le professeur Sambier dans ses recherches. Alors, Vandal, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, je pensais aller faire un tour au manoir Pokémon sur la route 212. Il paraît qu'il abrite des Pokémon rares. Plus aucune crainte à avoir, je suis là. J'ai entendu dire que les enfants se battaient contre la Team Galaxy. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, c'est le cinglé de félicité. Vous osez vous exprimer ainsi en ma présence? Quelle grossièreté. Je suis désolé. La Team Galaxy m'avait volé mon Pokédex, je suis furieuse. C'est sorti comme ça. Bon, je vous laisse, méfiez-vous de la Team Galaxy. Aucune importance. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est le comportement de la Team Galaxy. Tenter de dépouiller des enfants, quelle bassesse! Décidément, ils font de bien piètres criminels. Piètres criminels. Mais la médiocrité de leurs exactions ne les rend que plus préoccupants. Il faut examiner le hangar. Suis-moi. Et allons-y. Je sais pas, ça m'a embrouillé. Et allons-y jeter un coup d'œil. Je peux demander l'avis à ma maman, s'il vous plaît, parce que... Moi, barque comme ça, je sais pas. C'est fermé. Sans la clé, nous sommes obligés de laisser fuir ces bandits. En fait, la clé était là. Ah, cette capsule secrète, elle contient la capacité secrète vol. Vandal, je te la confie. Mieux vaut ne pas la laisser aux mains de la Team Galaxy. Il semblerait que nous ne soyons pas plus avancés. Tant pis. Ce qui m'inquiète, c'est ce que j'ai entendu au casino. La Team Galaxy a transporté quelque chose qu'à Verchamp. Je ne sais pas ce qui mijote, mais ça ne dit rien qui vaille. Youpi, on va pouvoir voler comme l'oiseau. Bon bah ça, ça devrait directement être pour Chiquito. Franchement, j'ai tellement eu le doute, je voyais pas Ab, je dis quoi? Alors... Oh en plus, au final, ça m'a servi à rien, quoi. Vraiment, ça a été totalement inutile. Hop, je vais juste... j'ai touché mon mic. Hop là, voilà. Juste faire un peu de rangement au niveau fil. Hop là. Il y avait un poco de Bordels. Ah,
Voilà. Ah, il y a aussi un truc à faire. Pour l'instant, bon, je suis toujours là. Ça, c'est, on dit les aléas du direct. Voilà, tac, tac. Hop, blablabla. Et voilà. Comme ça, on est bon, on reprend, on est serein. Et je retape mon micro. J'en suis sincèrement désolé. On a pris vol. On va soigner notre cher Calamite parce qu'il en a bien besoin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également switcher un peu l'ordre parce que, au final, Calamite a pris un peu d'avance par rapport à nos autres chers Pokémon. C'est vrai que mon équipe n'est pas assez diversifiée. Il faudrait que j'y remédie dans quelques vidéos. Bon bah, Verchamp, nous voilà, je pense que... Ah, quoique, il a parlé du casino, à mon avis, ça va être un peu... comme ce qui s'était passé à Céladopol, moi peut-être. Hein. Musique du jeu, je crois. Bonjour, je travaille pour Fei Télé. Avez-vous du temps pour faire une interview rapide? Allez. Merci beaucoup. Alors, ne perdons pas de temps. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? En fait, je peux... Ah ouais. La chose la plus importante... ma vie... Ah, moi, je peux... Ah, je peux... Yes! Ça ne veut rien dire. Trop bien. Ah, derrière toi. Je suis sûr que lui c'est un genre un télékinésiste. Mais en fait c'est une nageuse. Ah. C'est un Pokémon de type caillou. Faudra casse-tête. Connard. Connard. Soit. Pour le tout, ça va pas faire beaucoup de dégâts, mais bon. On ressuscite Calamite. Il ne reste plus que deux rappels. C'est ma foi un petit peu embêtant.
fouille. Mais au moins, il n'y a pas un truc genre fracasse-tête qui bah, fracasse la gueule, quoi. Ça va. Maintenant, on va pouvoir le soigner. Et bon, par contre, à mon avis, il va nous refaire. Comment ça s'appelle? Il va nous refaire un tombe roche. Et avec de la chance, je vais reperdre de la vitesse. Et puis voilà. Ah, sauf s'il rate. Cela m'arrange. Oui. Ah, je pensais que c'était plusieurs attaques de suite. Non, ça va. Ok. Ah, vitesse extrême. Bah, ça va pouvoir remplacer Vive Attaque. En plus, vitesse extrême, c'est une attaque que j'aime bien, surtout sur Arcana. Il n'aurait pas le type acier. De toute façon, il va apparaître dans mon Pokédex. On va pouvoir vérifier ça tout de suite. Il est fini. A fini. Ah ouais, je vais quand même revenir en arrière parce que j'ai vu que j'avais un peu d'argent. Bah, je vais aller le dépenser pour me refaire comment me refaire bah, un petit stock bah, d'objets de soins bien évidemment. Et c'est tout pour reprofiter de cette musique. Et pour le moment, je suis en train de réfléchir à quel Pokémon feu je vais conserver, si je vais conserver Démolos, enfin du coup Cerberus ou Skyfire. Sachant que bah, Dracaufeu, c'est mon Pokémon préféré. Donc, oui, après, c'est l'un des Pokémon préférés pour beaucoup de personnes. Ah, c'est pas très original, mais c'est mes goûts. Non, pas toi, tu coûtes un peu cher. Qu'est-ce que tu vends? Toi, t'es pas cher, mais c'est pas ce que je veux. Faites comme chez vous. Trop bien! Non, mais je veux pas des CT. Moi, je veux. Bon, celles-ci sont intéressantes, bien évidemment. Mais mince. Oui, bah attends. Je crois que en général, si ces centres commerciaux suivent la même logique, peut-être qu'au tout dernier étage, eh bien, on a ce qu'on appelle les distributeurs. Voilà, je cherchais le nom. Les distributeurs de boissons. Ça va faire son petit stock de limonade. Je vais voir, limonade ça donne quoi? Ça donne 60 p... ça redonne 60 PV, je crois. 80, nickel! En plus, vu que c'est pas cher, je parle juste que... qu'à la fin, par exemple, de toutes ces. Ah bah merde, j'ai pris au fraîche, moi. J'espère qu'il va pas devenir diabétique à la suite de toute cette dégustation de boissons sucrées.
maîtrise. C'est ça qui est un peu dommage avec ces descripteurs, c'est qu'on est obligé de faire un par un. Et à chaque fois, on a le ta 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 ta. Bon, une fois, deux fois, trois fois. C'est cool. Mais après, c'est relou. Ouais, vu que je vais en avoir pour un petit moment, on se retrouve juste après. Et voilà! Donc on a fait nos petites emplettes de boissons. Bonjour, mesdames. Je voudrais aller au rez-de-chaussée. Après, j'irai faire un tour au moins 1. Je pense qu'il se passe un truc là-bas. Ah bah voilà, c'était là. Alors. On prend 3 comme ça au moins ça. Je pense qu'on en aura besoin dans la suite de nos péripéties. Ah, j'avais oublié que la vie était chère hein, à Sino. Voilà, on va se garder un petit capital de Pokétune quand même. Je pensais à autre chose, mais bon. J'ai l'impression que la prochaine destination ce sera Verchamps. Pam. La ta 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 la. Enfin, j'ai un doute, je sais plus si je suis arrivé par. Bah non, parce que si j'ai affronté le gars, c'est que non, ça doit pas être là. Faire plaisir. Ouais. Non. J'ai juste pas envie. Un œuf, chance. Wouhou. Ah, sur quoi je vais tomber, tiens. Un Porygon 2. Non. Tu prévois ça. Est-ce que tu l'as prévu, celle-là? Cause ma connerie, j'ai failli m'étouffer. Je parcours la terre entière pour en découvrir les mystères. C'est pas du tout ça, mais j'ai envie de remixer quand même. Oh, un rich kid Evan. Oh, Volcarot Pod. Il manque un Pokémon haut là, c'est pas génial hein. Ouais.
Ah, rien quoi, le. Franchement, c'est triste. Je vais trouver un Pokémon haut intéressant. Mais... Fiche-moi l'appel Porygon là. C'est bien. Mais je me casse. C'est pas possible, les hautes arbres elles sont envahies par un Porygon 2, enfin par une horde de Porygon 2 là, allez! Allez quoi! Sérieux! Ah! Mais... Ouais, enfin du changement! Mais c'est pas ce que je veux! Ah, t'es comme ça! Wouah, il a la même attaque que moi. Il a quand même fallu patienter que Tikito se fasse bien victimiser avant de pouvoir s'échapper. Hein. C'est beau. Ça ne sert pas à grand chose que je n'ai pas de Pokémon poison. Ah, c'est le retour du Porygon 2. Oh, j'en ai marre, JPPI. Bah oui, bah oui, ouais, carrément. Je crois que je les ai même pas encore rencontrés. Mais c'est ça qui est beau avec les randoms, c'est ça qui est magnifique. C'est de rencontrer des Pokémon légendaires comme ça et tu sais pas sur lequel tu vas tomber. Eh oui. Et avec la chance que j'ai, il va mourir. Pourquoi t'as peur? Je t'ai éduqué de manière à ce que tu sois brave, pas que tu aies peur. Concentré sur sa barre de vie au cré elfe. Le truc c'est que j'ai pas d'attaque qui permet d'altérer son état.
Ça a bougé une fois. Allez, ça progresse. Si je m'attendais à ça. Peut y arriver. Oh, ça régresse. Ouais, je tente encore avec 3 Pokéballs. Et si ça passe pas, bye bye Kriel, quoi. Yeah! Mais il fera pas partie de mon équipe. Quand il prit son envol, les hommes apprirent à résoudre les problèmes. Le savoir était né. Non. Et je pense que c'est une belle manière de conclure cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je vous dis, comme d'habitude, hein, portez-vous bien. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Pokémon version Platine Random. Ciao !